Bon, nous voilà de retour. Alors là, on était parti pour faire les quêtes annexes de Kiryu. Je sais pas trop par lesquelles on va commencer, mais on va bien voir. Faut voir le gamin de merde là. Lui là, c'est Yuta. Donc ouais, honnêtement, c'est costaud, hein. Il va falloir réfléchir à un plan pour avoir Amon. On réessayera, hein, je pense. Celle-là, vous voulez dire? Et alors, pourquoi? Non! Rien du tout, c'est celui qui est derrière. Il y a des trucs de cul. Donc ouais, honnêtement, c'est costaud, hein, les Yakuza. Je me souviens de celui... les Amon. Je me souviens de celui qui m'a le plus fait galérer dans ma tête. Je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais plus s'il y en a un dans... Dans Judgment, mais celui qui m'a le plus fait galérer, c'est celui avec les drones. C'est n'importe quoi, hein, celui-là. Même en y allant à la normale, hein. Même sans New Item Challenge, sans s'imposer de handicap, de points négatifs. Même à la normale, c'est super dur, hein, celui avec le drone. Je sais plus si c'est Yakuza 6, c'est possible. Mais c'est ignoble. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein, c'est le truc de cul. On avait déjà eu ça, non? Avec Haruka. Hein? Mais c'est pas pour les enfants, voyons. Pourquoi tu veux acheter ce truc? C'est n'importe quoi. Et honnêtement, ça m'étonne pas qu'elle a voulu lui en empêcher. Moi, je veux celle-là dans la ville, pas une autre. Et pourquoi? Tu te vois grandir d'abord. Maintenant, j'ai vraiment envie de savoir. Espèce de menteur. Moi aussi, je pensais la même chose que lui. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que c'était pour mon bien. Bon, d'accord. Je dois tenir mes promesses. C'est con! On va lui acheter un truc de huc. Que faire? Que faire? Bon, j'espère que je vais en tomber un sur qui sera pas trop hard. Quelqu'un arrive! Il va dévaliser le truc. Évidemment, elles viennent ici dans une ruelle mal famée, c'est n'importe quoi. Histoire qu'on ait bien la honte, hein, qu'il y ait quelqu'un pour nous regarder. Ah non, c'est pas possible. Ils auraient pas pu aller ailleurs. On devient de plus en plus sketchy. Maintenant, je peux plus revenir en arrière. C'est du grand n'importe quoi. On est surveillé de très près. Eh bien, c'est que... Comment dire? Et voilà, Marina, c'est de mieux en mieux. C'est n'importe quoi. Tout le monde va devenir suspicieux à nos yeux. Qu'est-ce que... Pourquoi maintenant? Dans tous les moments du monde. Écoute, on doit courir. On doit partir d'ici. En plus, elle est flic. Vraiment, c'est le bordel. Oui, je vois. Oui, et celui sur lequel j'ai eu le moins de mal. Je sais pas, c'est peut-être celui du 4. Mais c'est pas parce qu'il était pas dur. Mais parce que... Mais parce que... Parce que... Bah parce qu'il y en a plusieurs, voilà. Un peu comme là. Kiryu must reach the vending machine. Attention à un truc spécial, là. At the back of the alley, without attracting attention. If he's spotted, Kiryu will become flustered and retreat to the starting point. You can choose to abandon the vending machine. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un enfant? Donc là, c'est en mode infiltration, hein, tu vois, en bas à droite. Faut que j'y aille au moment où elle regarde pas, hein, je suppose. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Mais il y avait personne en bas à droite, c'est ridicule.
Comment ça marche déjà ce truc de brin? Ah, elle avance. Ok. Elle fait une ronde. Tu vois, là, on se croirait vraiment dans Tenchu, ça, c'est énorme. On doit échapper à Marina. Faut y aller au bon moment. Vraiment, c'est costaud. Apparemment, il n'y a que la fille de gauche qui se... Voilà, maintenant. Qui se retourne. Ouah, c'est encore plus dur, là. Elle la pousse. C'est énorme. Oh, putain, what? Pourquoi elle vient ici? Metal Gear, ce... Putain, mais... On n'a pas le droit de se... Et c'est pas possible, c'est une blague. On n'a pas le droit de se reposer. Alors là, j'y vais tout de suite, regarde, tu vois. Voilà, bien joué. Tu vois, faut y aller au culot. La chance sourit aux audacieux. Faut y aller quand personne te regarde, c'est un petit peu ignoble. Allez, on y va! Alors qu'en réalité, il y a plein de gens toujours à gauche. J'ai réussi! Il faut le donner à l'innocent Lad, qui à cause de nous sera plus innocent, bien joué. Oui, enfin... on peut pas dire ça comme ça. Je dois me promettre d'attendre d'avoir l'âge... d'avoir 18 ans. Mais pourquoi? D'accord, d'accord, j'ai compris. Tu dois le jeter à la poubelle quand tu seras chez toi. Je l'ai fait avant toi, tu sais. Moi aussi, j'ai eu ton âge. On est un vrai héros. Merci, merci. Yay! Et il va rien faire de ce qu'on lui a dit. Il va se faire engueuler. C'est de plus en plus bizarre. Je les comprendrai jamais. Bon, ben pas mal. Alors fais voir la suite. Ici, là, peut-être. Le truc en haut à droite. C'était qui, déjà? Je m'en souviens plus. Les mecs dans le coin, là. Eux, là. Timmy! Ah bon? Qu'est-ce que vous en savez? Elle est championne de judo. Prends ça! Ils veulent nous foutre une raclée. Je vais me mettre en mode dragon, s'il vous plaît. Oh ouais, t'as vu la musique? C'est ça, ça change en temps réel, je m'en rappelais plus. Prends ça! Ouah! Ah, on est en blanc, là, c'est marrant. Hein. Normalement, c'est rouge. Prends ça. Je vais monter ma jauge à fond pour voir à quel point on est rapide quand on est à fond en hit. Parce qu'au départ, c'est un peu à chier, hein, comme le mode... Le mode rapide, là. Parce que, autant avec Majima, le mode dancer, c'est un petit peu cheaté, comme on l'a vu. Mais autant avec Kiryu, je pense pas qu'on ait un truc complètement cheaté. Et ben, c'est-à-dire que... Oui, vous êtes sûr que... D'accord, allons marcher, si c'est vraiment ce que vous voulez. Je me souviens plus de cette quête. Elle a les cheveux longs. Non, c'est la fille avec qui on aurait... oui, elle. Avec qui on aurait voulu... Nezu. On aurait voulu être. Mais le sort en a décidé autrement. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le AA Water. C'est comme les pierres, tu sais. Les mecs qui veulent nous vendre des pierres... Des pierres qui apportent le bonheur, ben ça, c'est la même chose. Hein? 1,5 million? Seulement pour un mois? Et encore heureux que c'est un discount. On va l'acheter, hein, tu sais quoi? On n'est pas à la rue.
Peut-être que la fille de droite nous en sera reconnaissante. Ok, si c'est vraiment ce que vous voulez. De toute façon, je suppose que j'ai pas le choix. C'est pour ça que les mecs voulaient vous taper. Parce que vous lui vendez des arnaques. Je commence à mieux comprendre. J'aurais pas dû vous aider. Moi, je veux juste la fille qui est à droite. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pécho? Vous avez intérêt à dire la vérité, sinon ça va chier. Je me sens faible, qu'est-ce qui m'arrive? Heureusement qu'ils l'ont pas mis dans l'inventaire. Hein. Ils auraient très bien pu. À croire qu'ils ont pensé aux gens... aux gens qui font des no-item challenge. Bon, bah écoute. Je suppose qu'il faut... Je vais aller ici, là. Et je vais entrer-sortir. Un voucheur. Est-ce qu'on est à fond? Ouais, comme par hasard. Parce que là, tu peux pas y entrer sans prendre un voucheur, c'est un petit peu naze. Je vais aller à Smile Burger. Et non pas Burger King. Est-ce que je sais plus, il faut faire quoi maintenant? Faut y retourner? Ou faut un UFO? C'est quoi qu'il faut faire pour... C'est pas ça. Ça, c'est Don Quichotte. Pas ça non plus. Ça, c'est les histoires à raconter. Putain, mais c'est quoi ce bordel, là? C'est pas Arakure. Watery Investment, c'est ça? Can't wait for the... Ah, tout arrive. Actually, it might be at the office. D'accord, ok. Eh ben, heureusement que j'ai regardé. Il faut aller... ça va être livré à notre bureau. Peut-être qu'on va en profiter pour relancer un petit peu les affaires, même si ça fait pas longtemps. Je vais chercher une occasion, justement, pour y aller régulièrement. Mais là, c'est peut-être un peu trop régulièrement, pour le coup. Ah, tu vois? Ouais, c'est ça, là, le AA. Ah, splendide! Voilà, 1 million... bien dépensé. C'est illégal! On doit vous faire signer un contrat. Ah bon? Ne me dites pas que... Quoi, c'est fini? I've been had. Apparemment, on s'est fait eu. Hein. On a été... Je sais pas ce qu'elle a dit, Marina, là, mais on s'est fait... Tu vois, c'est là, hein, la statue pour Kiryu. Statue en or. Je sais pas si on peut la voir pour Majima aussi. Ah ben, dis donc, ça c'était inattendu hein, pour le coup. Bien de pas avoir regardé le business. C'est marrant, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Pourquoi on avait vu la fille là? Ah, c'est déjà ready, c'est incroyable! Tout est ready. Je m'y attendais pas. Putain, c'est une blague. Et la fille qu'on avait vue là avec les cheveux longs, c'est qui? C'est le chef? Peut-être qu'il y aura une suite hein, à cette quête et qu'on aura le fin mot de l'histoire. Parce que là, vraiment, ça se termine comme un cheveu sur la soupe, c'est assez drôle. Bon, bah écoutez, on va faire le Don Quichotte, pourquoi pas. Vu qu'on l'a vu tout à l'heure. Vous m'avez trompé la dernière fois. On n'est pas en couple, je peux pas vous avoir trompé. Je l'entendais pas de cette oreille. Je l'entendais pas de cette façon-là. C'est bizarre quand même. Allez, je fonce. Faut voir, on a combien de trucs. 22 avec Kiryu. 22, voilà les Amon. Je vais peut-être... Hey, gamin, c'est quoi ce bordel? Vous étiez pas au courant? Vous êtes hopeless. Les Arakure. C'est très populaire, c'est Dragon Quest. Ça se trouve, hein. Ça se trouve, c'est ça, hein. C'est l'équivalent. Ils avaient pas encore les droits à l'époque. Bye bye! D'accord, faut partir. C'est marrant, ce truc. Pour l'instant, on galère un peu plus qu'avec Majima. Je vois rien.
Il n'y a rien d'autre, à part mes couilles. Et ça, là, c'est quoi en haut? Et là, il y a un truc, non? Non. Tiens, on a que ça comme quête, c'est très bizarre quand même. On va faire le... Je vais rentrer là-dedans, je vais sortir. Comment ça s'appelle? On va faire les tournois. Non, je pense pas qu'il y ait des trucs à faire là-bas, quoique. Non, parce que là, vraiment, la liste avec Kiryu, c'est assez dingue, hein. Et la liste de points d'interrogation, c'est des trucs qu'on n'a pas encore vus. Qu'est-ce que ça pourrait être? Sûr, ça doit être un truc à la con. Voilà le mec. Tiens, je te l'ai volé, ton jeu vidéo. Je vais aller le vendre 1 milliard sur eBay. Non! Bande de... Bande de salauds. Il me l'a volé. Il était super rare. Il était sous blister. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? T'inquiète pas, Akio, je vais le rattraper. Cette ville est pas grande, après tout. Oui, j'ai vu une interview de un mec, l'un des directeurs ou le directeur de la série, il me semble. C'est pas Nagoshi, hein, c'est quelqu'un d'autre. Il avait travaillé sur Yakuza 3, il avait eu le lead, hein, sur Yakuza 3. Il est là, je pense. Lui aussi, il s'est fait voler, c'est énorme! Il a volé un voleur. Oh non, j'y crois pas. Témé, qu'est-ce que t'en as fait? Toi aussi, tu le veux? Eh ben, c'est trop tard. Je l'ai parié au jeu, j'étais sûr de gagner. J'en ai rien à foutre. Je vais t'écraser comme une mouche. Prends ça. Oh putain, la vitesse! Oui, effectivement, c'est un peu mieux. Oh putain, d'accord, ok. Apparemment, on est plus puissant et plus rapide s'il faut. De toute façon, plus t'es rapide, plus t'es puissant. Hein, parce que plus t'es rapide et plus tu donnes de coups à la seconde. Hein, donc, plus tu fais de dégâts. Hein. C'est la condition sine qua non. Arrête de mentir, je sais que tu l'as volé. Les enfants, ils mentent que quand ça les arrange. Donc, je sais que là, ils disaient la vérité. On a tout intérêt à rester en mode hit hein, avec. Avec Kiryu. Autant avec Majima, la différence sautait pas aux yeux, mais là... T'inquiète pas, je vais le retrouver. J'en ai retrouvé un, j'arriverai bien à en retrouver un autre. Bah, qu'est-ce que je disais? Oui, le mec, il disait... Il y a eu une interview sur Gameblague. Et le mec, il disait... Que le succès de Ghost of Tsushima... Il va encore se faire voler, c'est ça? C'est incroyable. Eh bien... Un Goomba, comme dans Mario, ça pourrait les inciter à sortir Yakuza Kenzan et Isshin en Europe. Mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, encore une fois, vu que c'est la preuve que les Occidentaux, ils s'intéressent à... Chiné! Cette musique, on s'en lassera jamais. Bon, ça, c'est un espèce de remix de Resave You, hein, encore une fois, avec les mêmes paroles. Bon, ça, putain, la vitesse, c'est énorme! Et tu vois, Joe Hamon, il était comme ça. Après, si vraiment ils reprennent le style de combat de Majima pour So Hamon, je me demande si... C'est le démarche. Je me demande si... Je ne rigole pas! Eh bien, s'il aura le style Thug, ou le style... Les quatre, hein, si ça se trouve. Une fois qu'il aura perdu 3 jauges de vie, et ben, il passera au deuxième style, et après 3 autres, il passera à un autre style, etc. C'est possible. Mais c'est le cas, c'est marrant, ça voudra dire que Kiryu, il... J'ai mal à la tête. C'est trop compliqué, ces conneries. C'est trop... C'est trop uncommon pour arriver. C'est trop improbable pour arriver. Je l'ai, génial! Je vais l'offrir à ma meuf. Et donc, honnêtement, il a des oreilles de chou. Et donc, vraiment, c'est tout un bordel, je veux dire. Ben, pourquoi pas, hein? Ça leur montre qu'il a un flingue. Est-ce que je peux le désarmer? Bon, ça.
Yay, bien joué. Work! Oh yeah! Je sais pas ce qui déclenche ce truc, hein. Parce que c'était pas un désarmement, du fait qu'il avait une arme. Vous m'avez one shot! Mais son fils, c'est peut-être l'autre, hein. Il le veut pour son fils. Il le veut absolument, je veux lui faire plaisir! D'accord, je comprends. Mais tu l'as volé à un autre fils. À un autre kid. Ah merde! Comment j'aurais pu le savoir? J'avais pas de remords à voler un trou du cul, mais un gosse c'est différent. Tiens, donne-lui. Mais ça se trouve, c'est son fils, hein. Akio. Bah oui, c'est ça. Ah, attendez, quoi? Papa, qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Je... c'est n'importe quoi. C'est totalement improbable encore. Oh, désolé, je t'avais pas vu. C'est con. Je comprends mieux. Et attends, c'était justement à lui que je voulais le donner. C'est n'importe quoi. Je voulais l'acheter par moi-même. Donc ouais, bah, qu'est-ce qu'il disait d'autre déjà? Ça avait un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'y a fait penser. Amon, Judgment, les drones, Yakuza 4. Merci pour le Sunburst, oh putain. Il m'a donné un katana. J'ai hâte d'y jouer sur ma NES. Bien, bravo. C'était quoi déjà? C'est quoi ce bordel, putain? C'est... Qu'est-ce qu'il avait dit, ce con, déjà? Il avait dit que... Enfin, l'interview est assez longue, mais bizarrement, c'est en anglais. Alors que Gameblog, c'est un site... jusqu'à preuve du contraire, c'est un site français, hein, mais bon... Il y avait marqué English version, peut-être qu'il y a aussi le... Bah écoute, je sais pas quoi faire d'autre. Pour déclencher d'autres quêtes, là. On va essayer de wander un petit peu around, hein. Je vais aller à... J'ai vu Mister Mekouille, hein, mais je sais pas où il est. C'est un petit peu étrange. Ah oui, le hôtel machin. Il y avait un truc à faire, là. Et donc, ben, je sais plus. Il parlait de... Enfin, il parlait de Yakuza, c'était assez intéressant, hein, La série, tout ça... Ah oui, lui, là. Il suivait la fille blonde, là. Oh, vous m'avez vu? Qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Eh ben... Oui et non. On doit faire un test ADN. Je suis plus très sûr de savoir si c'est elle ou pas. Ça fait des années que je l'ai pas vue. Vous comprenez maintenant? Ouais, ça m'a l'air d'être une sale excuse. Enfin, n'hésitez pas à aller la lire, il y a pas mal d'infos intéressantes sur les Yakuza et ce qui pourrait arriver ou pas. Donc apparemment, il est sur un projet, mais il peut pas en dire plus, mais rien ne prouve que ce sera sur... sur Yakuza. Il parlait aussi de Binary Domain, vu que ça a été fait par la team Yakuza, et c'est l'un des rares jeux qui n'est pas un Yakuza, justement, donc ils en parlaient, est-ce qu'ils vont en faire d'autres, etc. Oui, ce qui est assez drôle aussi, c'est que... t'as eu... Sur Twitter, t'as eu quelqu'un qui a lancé des hashtags, hein, tu sais, comme d'habitude. Des chaînes. Et t'as un mec, il répond, il fait l'équivalent. Associer un développeur de jeux vidéo avec une franchise. Et en fait, t'as Atomium qui il avait dit... Yakuza et City Hunter. Voilà. Donc lui aussi, il le pense. Mais ce qui est énorme, c'est qu'il aurait pu dire n'importe quoi. Il aurait pu dire Square Enix et Tomb Raider. Oups. Ça, c'est déjà fait. Enfin, pas vraiment. Il aurait pu dire Legacy of Kain avec... avec la Team Meat ou n'importe quoi, vraiment. Et c'est ça qu'il a choisi. Mais il avait choisi autre chose aussi, hein. Zone of the Under avec, je sais... Platinum Games. Ouais, pourquoi pas. Oui, d'accord, j'accepte de vous aider. Mais vous avez intérêt de me payer au centuple. Je suis Mizumi. Prenez. Oh, 10 000 balles, on va aller loin avec ça.
T'as eu parfois les quêtes dans Yakuza, c'est complètement con quand même. On a dépensé 1 500 000 pour rien. Mais vraiment, avec le AA Water de merde là. Des fois, ils te rendent l'investissement, hein, avec des intérêts. Ils te rendent 2 millions, par exemple. Mais là, rien! Tu t'es fait ken, quoi! On s'est fait trigger. Hein. Reika, excellent choix! On est dans un club à hôtesse, ça c'est énorme. Bonjour, enchanté! C'est rare de voir une Asia avec les cheveux. Les cheveux blonds platine, ça vous va super bien, félicitations. Et non pas PlayStation. Bon, il faut que je lui pose des questions. Eh bien, pas vraiment. Je tiens un real estate. C'est un pote. Faut qu'on réponde quelque chose, là. Un friend. Bon, je vais me renseigner. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Non, c'est pas prévu qu'il fasse un autre jeu en dehors de Yakuza pour l'instant, je crois. Alors attends, fais voir. C'est quoi le nom de la... Pater... Sugar Daddy, c'est ça? Voilà, il give you 10 000 balles. When prompted the conversation, tell her you heard from a friend. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est un ami! Il vous aime beaucoup. Il trouve que vous êtes la meilleure hôtesse. Ouah, c'est magnifique! Je commence enfin à me faire un nom! Elle est vraiment motivée à ce que je vois. Natsumi! Ah, donc c'est un pseudo? Ouais, c'est ça, Real Estate. C'est super intéressant, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est un métier qui a de l'avenir, mais bon. Roommate, how is your place laid out? Do you have a boyfriend? Il faut lui demander si elle a des roommates. Ah bon? Pourquoi? Straight to the point. Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire? C'est une drôle de question. Pour l'instant, les puzzles, les pièces s'assemblent... S'assemblent comme il faut. Et on n'est pas encore sûr que c'est vraiment la fille de Mizumi. Ensuite, faut éviter d'être suspicieux. Si le phaser is not around. Ok. Désolé de vous demander ça comme ça, mais c'est très important. Ah bon? Quelle coïncidence! Il a disparu il y a 15 ans! Je m'en rappelle plus! Ah, tu vois, c'est ça. Bon, là, c'est sûr et certain que c'est elle. Je vais pouvoir le dire à Mizumi. J'aimerais vous faire rencontrer quelqu'un. Ah, qu'est-ce que... Tu vois, parfois, des NPC de brun, ils ont vraiment des très beaux visages. C'est assez énorme, quand même. Comme elle, hein, par exemple. Peut-être qu'elle aussi, hein, on peut regarder sa vidéo dans les... à Gandara. Dans les érotiques vidéos. Ah, ça me fait chier, j'avais un truc à vous dire. J'ai horreur de me... Regardez, Mizumi. Qu'est-ce que... J'ose pas me retourner. Je peux pas la regarder en face. Je suis un lâche. Je les ai abandonnés. Je sais que je vous ai demandé de faire tout ça, mais... Regarde comment je suis devenu bonasse. Eh ben, je m'y attendais pas. Je me suis enfui. Eh bien, je... Qui est Natsumi? Quoi? C'est pas elle. Non, c'est mon vrai nom. C'est pas un nom d'emprunt. Putain, c'est n'importe quoi. Là aussi, le monde est petit, hein. Et là aussi, c'est improbable. C'est deux... C'est arrivé à deux personnes, quoi. C'était il y a 15 ans, son père s'est enfui. Mais qu'est-ce que... Oh non, j'arrive pas à y croire, on s'est trompé. Vous êtes sûr? Dites-moi le nom de votre mère pour le savoir. Mais il est quand même tombé sur quelqu'un d'intéressant.
Eh ben, oui, je sais. Ça peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas. Bien, bravo. J'ai pas besoin de retrouver ma vraie fille. Celle-là, elle lui ressemble bien assez. Je vais là... C'est un peu gênant. Je vais la dorloter, vous allez voir. On saura jamais ce qui est arrivé à... au père de Reika et à la vraie Natsumi. Bien joué, du con. Bon, bah écoutez. Au moins, on avance, hein. Au moins, on arrive à faire des... T'as vu, c'est drôle, on peut pas y aller ici. Pas à la demande, en tout cas. Bon, bah écoute. Je voulais garder ça pour la fin, parce que c'est un petit peu relou, mais d'un autre côté... Vaut mieux le faire le plus tôt possible, hein, comme ça on sera débarrassé de ce truc. Ah, ça me fait chier. Je vais faire le pocket circuit, j'ai déjà commencé à le faire, vous vous en rappelez. On l'avait fait pour recruter, ben pour avoir le pocket fighter justement. Le pocket circuit. Ah oui, eux là. Je vous ai vu. Je sais ce que vous faites. Eh bien, je suis vraiment occupé. C'est pas parce que tu le vois pas que c'est faux. Et voilà la fille. Oh! C'est elle qu'on avait rencontrée hein, quand elle était adulte. C'est ces trois-là. Hein. Eh ben, c'est que rien du tout. Et ça, c'est Kazuma-kun. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ouais, on est tous amis au Pocket Circuit, après tout. Ah ouais, génial, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Et te rappelle, elle va être amoureuse de nous. Elle va vouloir qu'on devienne son boyfriend. Arrêtez-vous là! Arrêtez de vous vanter devant ma copine! C'est moi le plus rapide! Si tu le dis. Mais j'ai du mal à te croire. Il est plus cool. Le complexe du grand-père. Et tu vois, il nous challenge. Comme d'hab. T'as intérêt à pas refuser, sinon ça va chier. Ouais. Je vais te montrer comment on customise les... Bien, bravo. Comment on customise les voitures. De toute façon, là, on est balèze, hein. Honnêtement, on a... Y a pas un truc ici. L'homme des toilettes ou je sais pas quoi. On est balèze, hein. On a beaucoup de parties différentes. On a beaucoup de parts pour la voiture. Mais bon, je le ferai en off comme d'habitude, hein, vu que... comme j'avais fait dans le... Les Vla. Il y en a trois, c'est quoi ce bordel? Vous êtes prêts? Ça va chier. Parce que c'est bien assez long, quand même. C'est exactement comme dans Kiwami. Tu prends ta voiture, tu regardes ce qu'il faut. Ah merde, on est dans 31 total cost. Donc je dois me renseigner, parce que c'est ça qui prend du temps, ça qui est un petit peu relou. Faut se renseigner sur les parties que tu dois équiper pour le truc en question. Et à la prochaine tu changes et tu fais la course et tu dois attendre 8 tours ou 12 tours et c'est un petit peu relou. Bon bah écoutez, à de suite, je vous retrouverai quand la course sera terminée et on verra bien si je l'aurai battu ou pas. Allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors effectivement, ça a été, hein, comme je vous avais dit la dernière fois, avec le guide qu'il y a sur Steam. C'est énorme. T'as juste à le suivre et c'est bon, hein, on lui a mis pas mal de tours dans la gueule. Un jour, je vais conquérir son cœur, tu vas voir. Ouais, et ben bonne chance. Mais tu devrais parler moins fort. Et Mika, ben, c'est la prochaine qu'on va... qu'on va affronter, en fait. Anno Sumimasen. Your boyfriend. Eh ben, c'est-à-dire que... Non. Je vais être en prison si j'accepte. Bye-bye. Oh, mince. Où est-ce que...
Où est-ce que je me suis embarqué? Arrête de parler aussi fort. On va me prendre pour quelqu'un quelqu'un de bizarre. Il faut que tu prennes au minimum 5 ans encore. Un grand minimum, j'ai dit. L'école élémentaire. Eh ben... Oui, d'accord, allons-y. Mais c'est bizarre parce qu'il y avait déjà eu un point d'exclamation, mais à l'intérieur du pocket circuit. C'était pas Hideki et Hideki Kamiya. C'est ça qui est bizarre. Hein. Donc je me demande si c'est vraiment ça qu'il voulait qu'on fasse. Alors, faut voir, Mika, sauf... Oh putain, faut tout changer. Bon, bah écoutez, comme tout à l'heure, je vous coupe et on se retrouve juste après, c'est parti. Bon, nous voilà de retour. Alors là, on va faire totalement autre chose. On laisse tomber un petit peu le pocket circuit, on reprendra plus tard. En fait, il me faut le size stabilisateur 2.0. J'ai essayé avec le 1.0, je suis sorti de la piste. En plus, je me suis trompé, j'ai appuyé sur turbo au lieu d'appuyer sur rond, donc ça aide pas. En fait, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler des Dream Machines. En fait, on peut récupérer 3 components, peut-être même plus, mais 3 que j'ai vus, dans les Dream Machines. Et le Side Stabilisateur 2.0, 3.0, je peux pas, il coûte trop cher. Eh bien, c'est dans les Dream Machines à 100 000. Voilà. Il y en a un autre dans les Dream Machines à 100 000 que j'ai eu. C'est le Ultra Tires... Je sais plus. Celui-là, peut-être. Je sais plus, mais il y en a un à 100 000. Et il y en a un autre dans les 1 million. Et c'est celui-là, non? C'est Ultra quelque chose. Hein. Mais je crois que c'est celui-là... je sais plus. Et j'ai eu un trophée. J'ai eu un succès pour le Ultra Mécouille. C'est pour celui-là à 1 million que j'ai eu du premier coup. En fait, pour farmer les Dream Machines, c'est totalement aléatoire ce que t'as dedans. Admettons qu'il y en ait une ici. Là où il y a notre business, là. Dans la rue, plus au sud. T'as un point de sauvegarde ici. Et t'as une Dream Machine ici. C'est le meilleur endroit pour farm. En fait, c'est extrêmement simple. Tu sauvegardes. Tu fais load. Ici, là, c'est très rapide hein, pour charger, et quand c'est la même sauvegarde. Et jusqu'à ce que... Soit il n'y a rien, soit il y a 10 000, soit il y a 1 million, soit il y a 100 000. Si c'est à 100 000, tu fais comme ça, tu le prends. Si c'est pas ce que tu veux, tu reloads, etc. Même comme ça, c'est extrêmement chiant, et j'arrive pas à avoir le site stabilisateur. Donc on laisse tomber pour l'instant. Je le ferai en off. Là, j'ai pas le temps, faut qu'on avance. Je vais lui donner mon Machitake. Yeah. Ça, c'est une quête. Hein. C'est la troisième. La pizza, je sais pas quoi, là. Donc, écoute... donc, voilà, c'est comme ça. Et dès que tu t'en sers, dès que tu t'as obtenu un objet dedans et que tu veux le garder, tu sauvegardes, eh ben... ça marchera pas si tu fais reload. Il faut entrer... Enfin, a priori. Il faut entrer dans un bâtiment, tu reviens. Là, cette fois-ci, ça aura repop. Tu sauvegardes et... qu'est-ce qu'il faut que je lui donne? Je vais lui donner, par exemple, un toughness... empereur. Mais c'est dingue, hein, le truc à 100 000. Je l'ai fait des dizaines de fois et il y en a, ils y passent 10 heures. Hein. Ça, ce truc-là, c'est un petit peu à chier. Quand même dans le jeu, c'est mal foutu. Voilà, c'est un défaut du jeu, clairement. Les Dream Machines, quand tu veux un truc intéressant, c'est un petit peu... ça c'est nul à chier, clairement. Mon sauveur! Merci, merci. Elle parle mal, tu vois. Elle est chinoise ou quelque chose... Elle a des problèmes de sexy job. Elle a profité de moi, comme d'habitude. Oui, oui, je sais. Pizza. Oui, mais où est-ce que tu veux que je trouve ça? On a du mal à la comprendre, tu vois, ça c'est drôle. Donc on se doute bien que c'est pizza.
Oui, je me sens toujours mieux quand je mange des pizzas royales, 4 saisons, 3 fromages. Où est-ce qu'il pourrait y avoir des pizzas? Y a pas de pizzeria à Cambrocho. Oui, il avait dit un truc marrant sur Paris. Le mec, j'ai pas été regarder la... Re-regarder l'interview, je le ferai la prochaine fois. Il avait dit, les croissants à Paris, c'est énorme. Et que s'il y avait un restaurant qui vendait ça au Japon, eh ben les gens feraient le... Oui, on l'a déjà eu, ça. Samantha Thomas. Ouais, pourquoi pas Smile Burger. J'y ai pensé. Hein. Les gens feraient la queue pour l'acheter. Il n'y a pas de boulangerie au Japon. Mais si, il y a bien des Français qui sont allés et qui ont ouvert des restaurants. Il y a des restaurants French food au Japon, ça existe. Bon, bah écoute, on y va. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Les Dream Machines, c'est totalement aléatoire et tu peux rien faire hein, pour influencer ce que t'auras. T'as une quinzaine d'objets que tu peux avoir. Des peluches de Kappa, des peluches de Mega Drive, des Matsutake, c'est pour ça que j'en ai un dans l'inventaire. Voir lui comment on... Vierge. Eh ben, c'est quoi le problème? Je voulais lui parler à lui, là, pour voir. Des téléphones cards. Tiens, regarde. Ouais, magnifique. D'où est-ce qu'elle vient? Je la connais pas. Énorme. Il a joui. Eh ben, je suis pas vraiment curieux. Ouais, bien, bravo, ça a monté. Donc faut revenir lui parler quand t'auras obtenu d'autres cards. Mais si tu les as déjà toutes, ça fonctionne comment? Parce qu'il veut des sets complets, hein, c'est ça? Et on est bien d'accord que c'est pareil qu'avec Majima. Ça, là, on a les mêmes qu'avec Majima. Il s'est fap sur Emiri. Tu vois, Mana, c'est elle, hein, la fille de la meilleure hôtesse. Celle qu'on a eue en dernier. Donc, bah écoute. On reviendra lui parler à intervalles réguliers. Mais on est loin d'avoir toutes les cartes encore. Alors, je vais vous montrer. Le truc, il est... Oui, bah c'est ici déjà. Pourquoi je suis revenu ici, là? Ah oui, la pizza, faut aller à Smile Burger, bah c'est là. Bon, bah c'est à gauche. Tu vois, c'est à peu près ici. C'est sur ce mur-là, là. Là. Le truc, point de sauvegarde, il est ici. La Dream Machine, elle est ici. Et c'est comme ça, il faut farmer Ad Vitam Aeternam, mais c'est chiant. Si t'as pas l'objet qui t'intéresse, faut reload. Hein. Et encore une fois, ben, on a déjà eu de la chance d'avoir deux parties du truc. De mes couilles. Oui, je sais, mais c'est du junk food. Non, allez-y. Ah, Pizzala! Si, si, il y en a! On peut téléphoner. Et il vous livre à domicile, c'est énorme. C'est Uber Eats. C'est énorme, on le fait ici. Énorme! Elle appelle une société concurrente. Elle accepte de le faire à notre place. Qu'est-ce que vous aimez comme pizza? Bonjour, Pizza Express. Merci, c'est excellent. Des pizzaiolo. Il est venu à pied. Il a couru. C'est un errand de boy. Oui, bien sûr, la prochaine fois, je prendrai votre meilleur burger. Oh putain, faut l'amener chaude, c'est énorme. Quoi? Mais j'y arriverai jamais à ce train-là. On se déplace super lentement. Et je suppose qu'il faut éviter de bump les gens et tout ça, là. Ça arrive, hein. C'est souvent comme ça, dans les Yakuza, on a des errands. Ben, c'est ça, hein, vous voyez. Des livraisons. Il faut se manier. Oh, merde! Non! La pizza! C'est bon. Elle est toujours là. On la tient façon classe.
C'est Mario qui m'a fait cette pizza. C'est des magnifiques champignons. Donc ouais, honnêtement... c'est assez drôle quand même. Donc là, faut éviter de rencontrer des Mr. Shakedown ou des ennemis ou je sais pas quoi. Hein, parce que là, c'est costaud. Des fois, j'ai aussi le souvenir... là, c'était encore plus cauchemardesque. Là, ça a l'air d'aller pour l'instant. De livraison de ramen. Voilà. Ça aussi, ça existe hein, dans certains Yakuza et c'est un petit peu ignoble. Mais putain, le timing est très serré, c'est incroyable. On a quasiment fait aucune erreur et voilà Samantha. Ça me rappelle mon pays. C'est bon là, j'ai réussi. Ouais, bien, bravo. Kirayu. Elle est hawaïenne. Ça a expié. Merci. My picture. Ouais. Je vais t'arnaquer. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le visa. Elle veut un passeport, hein, je suppose. Énorme. Excellent. La spéciale combinaison. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas comme chez moi. I need visa. Énorme. Elle voulait pas de pizza, elle voulait un visa. Donc elle l'a acheté. Et les corbeaux qui la mangent maintenant. Elle veut un visa. C'est pour ça qu'elle parlait de expirer. Tiens, prends ça à la place. Elle est trop cuite. Ça me convient pas. Un visa. On a mal compris. Bien joué, c'est bien trouvé. Hein ? La marchandise. Tu sais très bien à quoi elle nous sera utile. Ne fais pas comme si tu l'ignorais. Prends ça ! Tout. Oh, on s'est touché en même temps. Oh ! Énorme ! Comment il a fait ça ? Il m'a écrasé comme une mouche. Il était en mode Kashiwagi, j'ai pas compris. T'as vu, c'est rapide, hein, quand on est... quand on y va à donf. Il faut que je t'avoue mes sentiments. Et ça veut dire quoi? J'ai mal compris. Si tu te maries, on n'aura pas besoin de visa. Je te forcerai à rien du tout. Je te jure que c'est sincère. Ok, j'accepte, mais pas par amour, par intérêt. Eh bien, je suppose que ça marchera quand même. Merci. C'est n'importe quoi. Viens. Pizza. Ouais, je suis sûr qu'elle a dû refroidir un petit peu, mais c'est pas grave. Bien, bravo. La pizza de l'amour. Oh, c'est du poivron. Splendide. Je savais que la pizza, c'était la solution à tous les problèmes. Bon, bah, une autre quête rondement menée. Il y avait autre chose que j'avais repéré, je vous en avais parlé. Je vous avais parlé de cette quête-là, mais c'était il y a plusieurs parties, je m'en rappelle plus. Et je vous avais parlé d'autre chose. Ah, le mec dans une ruelle. Ah, mais là, pour se rappeler où c'était... Oh. Il me semble que c'était ici, là. Là. Une ruelle sordide. Là, tu vois, il y a une ruelle, là. Je crois que c'est là, mais comme par hasard, c'est assez loin. Bon, écoute, on y va. On va essayer de voir si ma mémoire me fait défaut. Mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire à Gandara. J'ai presque envie d'y entrer, on est juste à côté. Là. Ah ! Watch Every Girl. Y a pas une quête ici ? Oh, bah, déjà, il nous parle, là.
La fille derrière, elle ressemble à Marina, je sais pas si c'est elle. Ah, mais là, il y en a plein, là. Rika, ben, c'est pas elle, c'est elle qu'on avait vue. Bon, je sais que ça va vous décevoir, mais... Mais on recule. On annule. Ouais, non, apparemment, il n'y a rien à faire. Hein. C'est sûr qu'il y avait une quête ici, mais bon. Pourquoi elle avait les cheveux roses? C'est bizarre, quand même. Et là, il nous en manque. Hein. Alors, faut essayer de regarder un petit peu toutes les ruelles, hein, pour voir si... si c'était fait... Si c'était effectif... Putain! Qu'est-ce qu'ils font chier, eux? Et on court! Alors, où est-ce que c'est? On y est presque. C'est pas loin. C'est la prochaine vers le bas. Reviens pas ici, sinon on va te faire regretter d'être né. Ah, c'est pas ici! Non! Y'a rien! Et pourquoi? Là, c'était! C'est pas grave, c'est pas loin. Cette fois-ci, j'en suis sûr. Sinon, je vais acheter un croissant. Oh, carte! Chut! Bien, bravo, lève-la justement. On le course! On le bute! On va lui apprendre, nous. Peut-être. Est-ce qu'il y aurait un truc à gauche, là où il y a les homeless? Ça m'étonnerait, hein, vraiment. Non, mais je suis sûr que c'est là. Pousse-toi, bordel de merde! Là, là, regardez. On va... Voilà, une Dream Machine ici, mais 100 000 comme par hasard. Et voilà le mec dont je vous parlais. Je suis sûr que c'est une quête annexe. Des mushrooms! Bien! Le marchand de champignons. Des Matsutake. Oh, c'est dommage! Pourtant, je suis sûr que vous apprécieriez la chose. Ils sont légendaires, mes champignons. Ils sont extrêmement rares. Des Enoki. Jamais entendu parler. Montre-moi ça. S'il n'est pas en forme de phallus, ça m'intéresse pas. Bon, désolé, mais je peux pas vous laisser faire. Il a l'air sympa, ce marchand. J'en profite pour m'enfuir. Apparemment, il aime pas les champignons. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ouais. Prends ça. Ça, c'était l'action de Kiwami, hein, tu te rappelles. Pour le style dragon. Justement, dans Yakuza Kiwami. Parce qu'il n'y a pas de Kiwami dans Yakuza 0, hein, vous avez compris depuis le temps. Allez, on y va. Je préfère m'enfuir. Prenez ça, c'est juste un échantillon. Bien, un Enoki Take. Eh bien, c'est que... Les champignons, c'est vraiment magnifique. Ok. Je pense qu'on peut lui acheter, hein, maintenant. Oh, on peut... la jauge de friendship? Sérieux? Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Matsutake, Maitake... Jineo, Shitake... Alors, je vais lui acheter un Shitake. Bout. Bah écoute, on va essayer de monter la jauge, hein, ça a l'air simple. Hein. Je vais acheter un Erinji. Zut. Tu vois, t'as pas besoin de partir, revenir. Je vais prendre ça. Zut. Voilà, je crois que des Maitake, on peut en... Oh, il s'en va. On peut en avoir dans le... Je vais récolter des champignons. On peut en récolter dans la machine à 100 000, justement. Un nouveau riche. Bon ben, on fait un petit peu... On fait plein de trucs, c'est un petit peu ignoble, je dois dire, quand même. On passe du coq à l'âne, on fait plein de trucs en même temps. Là, je suppose qu'il faut partir et revenir, hein, pour le faire réapparaître. Peut-être que je pouvais entrer dans Vincent. Peut-être que j'étais pas obligé de prendre un taxi, mais...
Je vais en profiter pour... Voilà, c'est là, ce truc. Voilà, ce point de sauvegarde et le 100 000. Allez, on le tente. Mais on va dilapider notre fortune. En temps normal, faut sauvegarder, hein, et reload. Allez, le truc! Ah! Toughness Empereur de brin! Troisième fois que j'ai ce machin, là. Ça récupère celui qu'on avait donné à la fille. Tu vois, c'est pratique, hein. Le point de sauvegarde est juste à côté. Je pense que c'est vraiment le meilleur, hein, pour farmer les Dream Machines. Mais ça, c'est ignoble, hein, ce machin. Je le ferai en off. Donc, tu vois, maintenant que je viens de l'utiliser, il faut aller là-dedans. Ou à Popo Market. Et sortir. Et ça le fait réapparaître. Il est de nouveau utilisable. Ouais, tu m'étonnes, hein, qu'on est en payout. On aurait pu avancer mieux. Honnêtement, ça aurait pu être mieux. Alors là, faut que j'en change plein. Lui, l'économie s'effondre. L'immeuble s'effondre! Je vais mettre le... électronique. Lui, là, ça va pas du tout. Faut le remplacer aussi. T'es sûr que je peux pas remplacer l'autre con, là? Lui, là, pourquoi je peux pas? Attends, parce qu'il faut faire l'inverse. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Nugget. Mais je vais pas l'utiliser comme ça. Regardez, je mets n'importe qui. Ensuite, là, je mets... Mais juste pour un seul truc. Après, je les changerai. Je ferai pas un cycle entier. Voilà, lui, là. Et lui. Voilà. Après, la prochaine, je reprendrai les gambling, mes couilles et tout ça. Lui, c'est pas mal. Et eux, du coup, ben, je vais prendre... Lui, là, je le remettrai au prochain. Uematsu. Bon, bah écoute. Ça fait 58 minutes, hein, c'est un petit peu chiant. J'ai l'impression qu'on a pas trop... qu'on a un petit peu glandé. Qu'on a un petit peu perdu du temps. Qu'est-ce que... Je vais revoir le mec aux champignons. Parce que il faut, hein. Il faut le... Quoique... On n'est pas obligé de remplir sa jauge, on s'en fout en fait. Oui ou non? Parce que la quête c'était juste au début. Comme les entraînements avec nos maîtres de technique là. Matsutake! Est-ce qu'il y est là? Yuki Sato! Stop and search. Où est-ce qu'il est le mushroom? Là. Oui, oui, tu vois, ça y est, c'est fini. En fait, j'ai pas besoin de monter, mais je me demande à quoi ça servirait. Ouais, Mika, bah, il faut le size stabilisateur 2.0 hein, pour la battre. Bon, c'est quoi la prochaine là? C'est après The Tax Lady. On va essayer. C'est la 14. Je vais essayer de voir ce que ça donne ce truc. Eh ben, pourquoi j'arrive pas à faire le truc de brin, là? 14 Destiny Calls. J'arrive pas à faire le dièse. Comment ça se fait? You will be asked to feel for a telephone call. You will be prompted answer with night voice. Il faut aller au nord de Pink Street. C'est bizarre, quand même. Faut aller là. Ici, là. Très exactement ici. Ah, ça fait une heure. On va essayer de faire un petit bout de chemin, d'aller juste devant. Et je vous laisserai quand on y sera, quand on sera à côté. On est d'accord, ça servira à rien de faire... de faire le truc... remplir la jauge du champignon, là, à quoi ça peut servir? Ça se trouve, il vendra des champignons super rares. Des amanitumouches. C'est bizarre, hein, quand même, ce truc. Bon, écoutez, je vais sauvegarder. Des underboobs. Je vais sauvegarder et je vais vous laisser là, tant pis. Écoutez, on avance pas mal, je suppose. Au moins, on arrive à finir des quêtes, c'est déjà ça. Et on apprend des choses et tout, t'as vu. Écoutez, ben, on se retrouve pour la prochaine partie et...
Et on verra bien ce que c'est que ce truc à Pink Street. Allez, à plus pour la prochaine partie.